Hello tout le monde, ici Gamers King pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Zespark, l'annale du destin. J'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, on va tout simplement aller acheter des ingrédients. On va les voir ici. Normalement, oui. Achète des crevettes si t'es ultra épicé et trouve le pizza vieilli sur le toit de ce qu'elle t'est. Donc c'est par là-bas. Donc on va y aller. Le pizza vieilli, c'est assez bizarre. Donc on va y aller. C'est pour une mission. Je pense pas par le même chemin qu'on va par qu'on va d'habitude. Tout simplement que j'ai l'impression que dans le dernier épisode, c'était bloqué par de l'électricité. Donc on va passer par un autre chemin. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. J'espère en tout cas. Non, lui il veut pas de selfie, donc je le parle pas. Bon, peut-être que je devrais le parler pour avoir des peut-être des quêtes. Donc on va essayer. Ok, bon. Ça fait juste parler de chats, donc. On se rappelle que la police a capturé les chats. Un pet temporel pour envoyer tes poursuivants à leur position. Ah oui, ok. Mais j'ai pas de poursuivant pour l'instant. Donc on s'en fout. Ça doit être par là-bas. Est-ce qu'on est à bonne place? Oui. Oui, on est à bonne place. Parfait. Donc c'est ici. Ok. Historique type toi. Town. Ok. Pourquoi pas elle? Ok. Un coffre. Qui est des poubelles, mais bon. Ah, des city crevettes. Ah, c'est le city walk. Donc on va voir. Attends, je vais juste activer ça. Parfait. C'est toi, Tond. Ouais. On est dans le city walk. On va chasser des crevettes dans le city walk. Oh ça, j'aime trop. Puis ça. Bon, puis ça. Mais j'ai gardé quand même le soutif. Sur la tête. Puis il faut que j'achète ça, mais j'ai pas assez d'argent. Est-ce que je peux en vendre? C'est pas assez fort et c'est pas assez fort. J'ai besoin d'argent. Puis Joseph vient spinner. Ça. Ça nous prend vraiment. Alors, ça, je garde. Des composants. Les décès, ouais, allez. On vend tous nos décès. Je pense pas que ça vaut un petit truc. Allez, on vend tous nos décès. Pour 10 centimes. Bon, pour 10 centimes, ça vaut la peine. Voilà, plus de déchets. Voilà, on en a assez. Attends. Quoi qu'on en a 18. 18,74$, ok. Donc on va vendre tout ça. Allez, on attend. Voilà. Normalement, on en a assez pour l'artefact qu'on a vu plus haut, puis la crevette. Crevette ultra épicée. Puis ça. Non, oh. Salut. Get the city tofu extra city. Ok, toi, l'officier Barbaradi. Oh, arrête. Anything for a deputy in training. Ouais, on aura un selfie avec l'officier Barbaradi, j'arrive pas à le prononcer. Yeah. Ok, donc, je vais voir l'artefact qu'on a eu. Je me trompe toujours de bouton, ça va pas se faire. Artefact. C'est vrai qu'il faut que je pense à beaucoup utiliser, checker les artefacts. Il n'y a rien d'intéressant pour ça. Bah, ok. Puis ça, je le garde. Voilà.
Bon, on sort du City Folk, on a eu nos crevettes. En plus, on a eu un TP, donc c'est vraiment cool. Bon, ça, il n'y avait rien d'intéressant. Et c'est pas au Dimbo Gun, je crois. Non, c'est un petit peu plus loin, c'est ça. C'est pas au Dimbo Gun. Ok. Ça, c'est pour assez des armes, donc on va pas y aller. On peut pas, de toute façon. Toi, tu veux un selfie? Non, même pas. Bon, je vais te parler. Ok. Ah, il faut qu'on aille en haut. Oh, il faut qu'on aille Kai, j'imagine. Je vais aller voir Kai. Kai qui avait un petit problème dans sa maison, donc on va y aller. Puis en plus, on a un petit lien de TP, donc ça va aller. Allez, on va se TP. Ouais, t'es trop rapide. La maison de Kyle est là-bas normalement. C'est toute là. Toutes les maisons sont là-bas, donc c'est cool. Allez, téléportation. Ok, voilà. Merci. La maison de Kyle. Ok, c'est là-bas. Il y a une mission avec Kyle, donc on va y aller. Peut-être qu'il va nous aider. C'est ça que j'ai compris. Ok. Ah, drop. Arrêtons de drop, s'il vous plaît. Non, ils vont me frapper. C'est même pas la maison de Kai. La maison de Kai, on l'a vu. Celle-là. Non. Voilà. C'est quoi ta mission? Ah, oh, j'ai déjà fouillé. Ok. Salut madame. Je sais même pas. Ok. On va aller voir dans la cour, voir qu'est-ce qui se passe. Ça doit être encore son cousin. Voilà. Will you deal with him, please? Look, cousin Kyle, it's that mean kid who beat me up before. Yeah, oh no, somebody stop him. Don't worry, cousin Kyle. I have developed these super sensors which will make it almost impossible for him to beat us up this time. I have to stay out of this. Just please, please make him go away. Prepare to meet your doom, evil bully kid. Voilà, là il faut qu'on bute son frère. This barrier represents the Red Sea, which you will be unable to part without Moses on your side. I hate this. Son frère, son cousin. J'ai pas d'idée. De toute façon, il y a une barrière, donc bon. Oh purée. Ok, il arrive quand même à nous toucher d'aussi loin. Allez, une protection. Allez, je crois qu'on peut le frapper. Ouais. Parfait. B. Allez, on frappe encore. Ça doit faire mal à la tête, mais bon, on frappe des trampolines. On n'a pas le choix, sinon on peut pas passer. C'est triste, mais bon. Ok. Mais il est quand même fort, mine de rien. Il envoie des rayons comme ça. Un rayon de la mort, non, je peux pas. Bon, je peux pas. Bon, je vais protéger une personne. Comme ça, je peux. Bon, je vais protéger Craig parce que c'est le plus proche que je peux protéger. Donc, je vais me mettre en soutien comme ça. Le truc du diabète, je vois pas l'intérêt avec lui. Donc, mais par contre, là, je vois plus l'intérêt. Go! Allez, diabète! Pouvoir du diabète! Voilà. Ah, là, il est en train de pleurer, c'est triste. Il fait, oh non! Par là. Bon, on va le battre, normalement. Non, je peux pas. Comme ça? Pourquoi il veut pas? Peut-être parce que j'ai un perso là. On va le mettre enrasé.
Allez, on va lui mettre la rase. Non, pas ça. Y. Ouais, je pourrais l'avoir. Parfait. Voilà, il est mort. On l'a tué. Rip le cousin. Human Kite shall use his Hebrew faith to call upon the power of the wind. Hikmeo Shigina. Let the strength of the wind make my kite fly into... Oh, Jesus, it came off! Wow! Jesus, my kite just blew up into the tree, Cousin Kyle. Then give up. Don't worry, Super Buddy Cousin. Perhaps I no longer have my kite, but I still have my super weapon. Aunt Sheila! These kids are picking on me! What? Who's picking on you? Who are you kids? I'll call your mothers right now! Oh wow! Yeah, get him, Aunt Sheila! Oh wow! Non, sérieux, les Broslovski! Okay, I'm gonna try something a little crazy. Everyone brace yourself. Phew! Il est pas sérieux! Oh, puis la musique! Oh, la musique! Oh, pour ceux qui connaissent South Park! Oh! Oh! Ta mère, c'est juste une grosse vache! Putain, non! C'est un truc comme ça, c'est genre... ta mère, c'est la plus conne de toutes les connes, genre... je m'en rappelle vraiment plus, mais bon... Oh, oui! Allez! Oh, il faut qu'on batte Kai en même temps. Oh, cette musique. Oh putain, c'est dans les premiers épisodes. Je m'en rappelle, puis dans le film même. Je pense que je vais vous le montrer un petit extrait dans la sur la vidéo. En plus, c'est moi qui me bats. Allez, Craig, parfait, avec un coup de repoussement. Il y a Kai qui est tout comme... Arrêtez de frapper ma mère! Welcome to Coontown. Cinquante-sept puis X, ça fait quoi? Je peux pas. Donc B. Allez. This might sting. That's my mop, Jack. Comment que qui est en train de raser Kai? Ulti prêt, parfait. Oh, il va soigner sa mère. Elle va protéger sa mère plutôt. Ah. J'hésite vraiment, mais bon. Je vais aller sur le Y. Bon, allez. J'aime trop la musique, perso. Encore, non, j'aurais peut-être pas dû. Allez. Je pense que c'est ça. Allez. Bon, mon ulti prêt. Non, j'ai plus, je peux plus. Je suis mort. Super Craig to the rescue. Non, mais je peux pas faire ça, donc bon, OCF. Je peux pas parce que, ouais. Allez. I am out of luck again. You mess with my nephew and the rules to your stupid gang. Ah, purée.
Allez. Ah, oh, Cartman, go. C'est sur tout le monde, parfait. Allez, le Coon. Elle est pas... Elle est quand même forte. Ou peut-être que je me suis juste mal débrouillé, mais bon. Ah. Bon, lui, on peut pas le battre de toute façon, le cousin. Bref, faut juste battre la tante en fait. Merde, c'est juste celle-là qu'on doit battre? Je pense que j'ai mal foiré. Encore? Ah, phew. Je me demandais. Non, sérieux, c'est pas possible. Elle est partie? Elle est partie où? Ok. Tout le monde sont partis. Donc, faut juste le buter. Oh, on a gagné. Parfait. On a battu les Broslowski. Ok. Ah, c'est une musique. Ah, putain. C'est bien, alors, très aimé. Viens mon redoudou. Comment c'est le chouchou de la famille? Bon là faut qu'on ait cherché le cerf-volant, on n'a pas trop le choix, j'imagine. LT Moulin, ouais, ok. On analyse. Ami non valide. Via le mode inspection, mais... Ok. Et sélectionne les camps de cerf-volant. Ok. Je vois. Ah, j'imagine... Ouais, ok, j'imagine que... Qu'on va avoir un nouveau pouvoir maintenant. Oh, c'est trop... Ah, c'est trop swag. Puis là, on a le cerf-volant. Parce qu'on pète. Ouais, merci. Parfait, on a le cerf-volant. Ouais. Comment on dit ça? J'imagine... Encore la prout mobile. Pouf. Waouh, mon cul est puissant. Ok. Ouais, ok, on a un nouveau pouvoir. C'est pour ça qu'il fallait qu'on aille faire cal avant, comme que Bruce Servietsky nous a demandé. Donc, on rentre. Voilà. Elle va nous haïr, mais bon. Je sais même pas si on l'a pris en selfie pour l'avoir en follower. Ok, c'est verrouillé. Donc on peut plus sortir. Mais j'ai oublié un truc dans un épisode. Donc on va y aller. Dans le grenier. Vous vous rappelez qu'il y avait un yaoi? Mais je l'avais oublié. Donc, en plus... vous avez pu voir. Voilà. Je l'ai ramassé. Attends. Il y a des objets ici. Au gourde de sport, ça peut aider pour le craft et tout ça. Parfait. Oups. On descend. Mais pourquoi c'est verrouillé? Je vais aller parler à Sayla. Ok, il fallait que je rende le cerf-volant. Parfait. Donc là, on peut tout simplement se téléporter si mon PC arrête de laguer, laguner. Parfait.
Voilà, parfait. Bon, on a battu les Broslowski. Surtout que t'avais Zorkai qui faisait arrêtez, c'est mes parents, c'est ma maman que vous battez. D'ailleurs, j'ai un truc à faire parce que j'ai un truc à faire avec ce nouveau pouvoir vu qu'on a déjà vu le même style de moulin. Donc ça pourrait être pas mal. Bon, c'est pas là qu'il faut qu'on aille, sauf si... Ah oui, voilà, vous voyez ça. Maintenant, on peut faire tout simplement le pouvoir du cerf-volant. Donc, c'est parti. Et normalement, ça s'appelle Kai à quelque part, je sais pas où, mais bon. Ça s'appelle où? Je l'ai appelé, mais où? Bon, le problème, c'est que je sais pas où. Là-bas? Ah, là-bas, non. Ça me tiendrait. Je vais réessayer. Correspondance trouvée. Bref, il faut qu'on aille là. Ah, je peux pas à cause des combats. Tiens. Tiens, c'est l'avantage. Vous m'aurez pas si facilement. Le Kun et sa bande. Allez. Allez, un petit laser. Parfait. Tchou. J'aime trop son style de combat au Kun. C'est vraiment cool. Oh non, je vais avoir des goûts. Arc. Arc. C'est dégueu. C'est dégueu. C'est dégueu. Allez. Aïe. Mal à là, ils vont me battre. Allez, on refait un petit coup de boule. Et on est protégé en même temps, donc c'est cool. Ah. Ah non, ok, c'est des ballons de pipi. Je dis ça tellement sereinement. C'est des ballons de pipi. C'est trop serein, comment je le dis. Allez, un petit laser pour vous niquer. Ah, dégoût. Non, ne vomis pas. Bon, j'ai pas trop le choix. Ça, go. En même temps, on le fout saigner. Saigne ma... De toute façon, je peux pas m'éloigner avec... avec Cartman, c'est triste. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, j'ai pas trop le choix, je vais me mettre là, je vais faire go. Comme ça, parfait, on l'a éloigné, mais je pense que sa cible est toujours pareille. Ah non, même pas. Cool, ok. Parfait. Parfait. Je pensais que sa cible aurait été pareille, mais non. Un petit coup de boule. Allez, coup de boule, pouf. Bon, allez, un petit. Des petites griffes de feu. Allez, on va te foutre un petit saignement. Oh, il est ralenti, c'est triste, puis là, il dégoûte. Allez, remontons dans le temps pour sauver le Kun. Allez, on fait ça, le pouvoir du Tibet. Mon outil est prêt. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bombe de pipi. Ah, j'ai foiré. Bon, pas grave. On l'a quand même battu. Donc, sa bombe de pipi va pas être là. Bref, ça me trouble de toujours dire ça. Sa bombe de pipi. Mais bon.
Allez, pouf, on l'a battu, parfait. Bon, ça a été simple. Ça a été simple. Parfait, on a gagné. On augmente de niveau. Voilà, courbure du temps, tout ça, tout ça. Bref, voilà, on recommence. On fait la proute mobile. On envoie des petits SMS à Kyle, puis on y va. Voilà, coucou. Je ferai un selfie avec toi. Bon, le mec, il se pose pas de questions. Qu'est-ce que je fous sur le toit avec lui? Yeah, on l'a. Ok, merci. Merci, Morgan Freeman. Merci. Création, là, on peut le crafter. Parfait. Ouais, tu peux voir ta maison ici. C'est cool. Vu que c'est des feux d'artifice, je vais le faire exploser. Bon, c'est peut-être pas l'idéal. Ok. C'est ça, tu imagines? Non, même pas. Non, pas ça. Est-ce que j'ai foiré? Je crois ou pas? Oui, j'ai foiré, mais pour la mission, ok. Ouais, j'ai compris. Le truc en haut, c'est pour tout simplement aller sur le toit à côté. Même malheureusement, j'ai fait exploser la caisse, mais je pense que j'aurais pu la déplacer. Donc, c'est ça, j'ai un petit peu foiré. Bref, c'est pas bien grave. J'espère que ça se restart. Je vais voir ça en ellipse. J'espère que ça se restart quand on va s'en être parti. Sinon, je sais, ballot. On a foiré. Je vais aller par là-bas. Carte. Je pense, ouais, par là-bas. Ouais, c'est ça. On a un truc là-bas. Attends, je vais me téléporter au truc de rhinoplastie. Parce que là, c'est un chemin trop long, sinon. Parce que je crois, normalement, il y a un truc pour avoir la proute mobile. Donc, l'homme cerf-volant, tout ça, tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, on est arrasé avec ça. Puis là, il est là-bas. Donc, on va y aller, mais je crois que... Comme ça, ça va nous permettre d'avoir des objets. Je sais pas quoi, mais bon, ça va nous permettre d'avoir des objets. Puis après, on va retourner... Retourner faire la mission principale qui est franchir le système de sécurité MFC. Donc il faudrait qu'on aille au Medicinal Fried Chicken après. C'est pas par là-bas, je crois que c'est par là-bas. Mais je m'en rappelle plus. Je sais que c'est dans cette rue, mais où? Non. Ça, c'est le truc de. Bon, on s'en fout. Ben, on va sûrement avoir de la lave plutôt. Ben, savoir comment franchir la lave. Mais avant, on le sait pas là. C'est là. Voilà, j'ai trouvé. Comme un grain. Et il faut qu'on aille là. Allez, on envoie des SMS. Puis on commence à faire la proute mobile. Parfait. On a l'objet. Un costume, ok. Bon, on redescend. Pouf! Pouf! Oh, on redescend même pas en plus, c'est ça. Ok, c'est cool. Tenue venteuse. On a des nouvelles tenues. Bon, ça peut être pratique. Je voulais pas... Je voulais pas te parler... Je voulais pas te péter dessus. Voilà. Et là, on retourne au Medicinal Fried Chicken. Puis on va sûrement s'arrêter bientôt. C'est pas par là, c'est par là-bas. Allez. Bon, on a fait... Qu'est-ce que je voulais faire? Donc, c'est vraiment cool. Parce que ça me titillait. Puis là, on a le pouvoir. Donc, c'est vraiment cool. Je sais pas combien de fois que j'ai dit que c'est vraiment cool. Mais je l'ai dit plein de fois. J'imagine qu'il faudrait qu'on bouffe le truc. Oh, il y a un truc là-bas. Attends.
Il y a un truc là-bas qui m'interpelle. Pardonnez-moi, là je vais vraiment voir. Essayer de vous trouver le plus possible pour pas en rater. Faut que vous ayez là-haut, mais comme. Ah, comme ça. Non, même pas. C'est l'autre. Normalement. Donc là, on va appeler le Capitaine Diabète. Pour qu'il fasse tomber ça. Ouais, c'est vrai, il faut que je lui pète d'en face pour qu'il aille, pour qu'il soit fort. Pour éviter qu'on lui donne le diabète. Parfait. Merci. Merci, merci, merci. On va aller là-bas. On va juste prendre ça. Là, on va faire ceci. Parfait. Allez, Kai. On va faire le petit pouvoir. C'est vraiment cool, on a plein de pouvoirs. En fait, ça sert à rien. En fait, ça servait à rien. Je crois. On va réessayer. Ah, ok, j'ai compris. Faut qu'on fasse ça. Parfait. Non, non. Bon, ok. On a choqué des madames. Ah, c'est ça, j'avais compris. C'est parce qu'en fait, on pouvait plus sauter. Donc, c'est pour ça qu'on se plantait. Puis ça. Ok. C'est quoi? Comme ça, parfait. Ok. Ah, c'est quand même cool. Là, il faut qu'on va réussir cette fois-ci. J'espère. On va pas se planter à une autre place. Sinon, c'est ballot. C'est ballot. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, on a une nouvelle tenue. Donc, on a la tenue patriote. Donc, on pourra se déguiser en Captain America. C'est vraiment cool. C'est trop cool. Ok. Pourquoi je peux plus te parler? Allez, parfait. Bon, ok. La majorité des trucs qui sont pas dans l'histoire, c'est vraiment pour. Ok, c'est vraiment pour. En fait, les trucs comme ça, c'est vraiment pour. J'ai l'impression de l'annexe, carrément. C'est de l'annexe, donc des costumes, tout ça, tout ça. Là, il va me dire de bouffer, Morgan Freeman. Go on. Don't be shy. Ok. Ah. Pour manger, le burrito. Et là, on va avoir un nouveau pouvoir, le blocage de paix. Pause. Ouais, c'est ça, la pause, ok. Donc, on peut faire une pause. Ok, parfait. Donc, on peut arrêter le temps. Puis, pouvoir rentrer dans le Medicinal Fried Chicken. J'ai un selfie. Ok. Je vais lui parler. Oh, is your friend looking for an energizing mental feeling or more of a full body high? I don't know. Well, I'll send over our expert bud tender who can help you out. Hey, you want to get high? Oh, hey, Eric. Oh, wow, Towley. Thought you went to rehab. Yeah, I did, but now I'm back in South Park. Clean and sober, almost a year. Clean and sober, no drugs at all. And I tell you what, I don't miss it. And you work here in a pot store. Cannabis, Eric, and yeah, it's great. Now I get high. Helping people cure their insomnia, back pain, migraines, and stress naturally. Did you know the ancient Chinese gave cannabis to their infants for teething? Huh. I have an addictive personality, so I'm cool without it. And now I got a kid with my lady, so better to stay on the straight and narrow, you know? You have a kid, right. That turns out I had one the whole time. I was too high to realize. Now I'm holding down a job and paying the rent. But I'm also doing good, helping people find the herbal remedies they need to
to combat all the modern stresses of a job and taxes and traffic and a wife breathing down my neck about the apartment. The tally, we got a leak. Why can't you fix it? I'm not a plumber, bitch. I'm a towel, not a fucking plumber. Okay, we're here to pick up our friend's medicine. Her name is Classy. Oh, Classy. Yeah, Classy with a Y with the clit hanging off it, coming around and licking the shit out of the C. No. It's Classy with a dick hanging off the I that's fucking the L out of the ASS. Oh, that Classy. Sure, I got her order. There she is. See, she likes the banana kush for her back pain and some of the platinum OG. Wait, what the fuck? Who put the chillax kush in with the OG mellow bliss? What the fuck, you retards? People don't want to mix their mellow with their chill. They'll get all fucked up. God, fuck. Hey, Tali, it's cool. Relax. No, it is not fucking cool. I'm trying to run a legitimate business here, and my back hurts. I can't sleep. I got no appetite. This shitty town is so fucked up. We gotta buy all our product from fucking sixth graders. And who knows what the shit they're putting in it. And then to top it off, I got a couple of little dick lickers coming into my store telling me to fucking relax. Fuck you. You relax. You're a town. Ok, on doit battre Servietski, j'imagine. Bon, Servietski est devenu fou. Ok, il est devenu fou parce qu'ils l'ont mélangé. Bon, il faut qu'on calme le Servietski. Ah, il va me brûler. Merde, je savais même pas qu'il y avait un combat. Ok. Je sais pas si je peux le reculer. Bon, je sais pas. Mais bon, on s'en fout. C'est juste Cartman quand même. Voilà. Bon, je pense après ce combat là on va arrêter. Je savais pas qu'il y avait un combat contre Servietski. Je savais même pas que Servietski arrivait comme ça. Donc imaginez. Donc là, il faut qu'on calme Servietski. Ah non. Light it up, new kid. Hey, this is my life savings and weed here. Cartman. No, mellow the fuck out. Il y a un temps en feu. I'm so over this. Faut qu'on en mette plein en feu ou pas? Ah, je vois. Faut qu'on les mette en combustion ces trucs là. Pour le calmer. Je pense, c'est ça. Ça, on va soigner comme ça. Allez, on évoque Moïse. Meanwhile, at the Hall of Super Best Friends. Let all debts be forgiven and all slaves free. Allez, merci Moïse. Mais vu qu'on n'a pas de pouvoir de feu, on peut pas vraiment. Oh non, on n'aurait pas arrêté de brûler. Je me demande si on peut aller sur le feu pour le brûler. Ah, quand on lance flamme. Pas grave. Ce combat a un objectif. Ok, on va faire un détail. La plupart des ennemis t'imposent de tuer tous les ennemis pour gagner pour pas celui-là. Celui-ci. Pour vaincre Servietski, mets le feu aux 4 lots de cannabis, c'est ça. Pour voir. Ok. LT. Voilà. Voilà. Là-bas, il faut qu'on y va. Donc, on va faire vraiment attention. Après, c'est moi qui attaque. Parfait, je vais me soigner. Je vais soigner mes 4 partenaires. Avec mon ulti. Et puis en même temps, on a la protection, donc c'est cool. Ok, déjà, on est combustion, donc ça va vraiment nous aider pour pouvoir les brûler. Donc on fait attention pour pas enlever la combustion. Give it to me. J'ai compris. Parfait. Et il nous reste un tour.
Bon, lui, il va quand même brûler, parfait. Ouais, moi, je dis parfait quand on brûle. C'est parfaitement normal. Allez, tu vas retomber. Putain, regardez la fumée de cannabis. Regardez cette fumée. Oh là là. Je vais mettre un petit peu de protection, Cartman. Ouais, c'est ça que t'as besoin ici. Faut qu'on se rende au, au truc de cannabis. Ah, en plus, il nous éloigne. Il y a infini de vie, mine de rien. Ah, parfait, ça me dérange pas. Tu vas me donner plus de feu. Bon, ça sert à rien. J'ai pas vraiment d'attaques qui peuvent brûler. On peut décider de détruire ses partenaires à Servetsky, mais ça servirait à rien. Allez. Ah, c'est... Là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va me brûler. Donc, je vais m'éloigner, en fait, ou peut-être je vais me soigner. Ah, pfiou. Ah, je peux même pas avancer. Ah, je peux même pas avancer. Parfait, on va le saigner un petit peu. Non, mon outil, c'est ça. Parfait. On utilise mon outil pour se soigner. Encore. Vraiment, là, je vais me mettre beaucoup à la défensive pour essayer de pas me mourir non plus. Parce que le but, c'est d'allumer les quatre plants de cannabis. Donc, bon. Parfait. Qu'est-ce qu'il va faire, ce Ski? Ok. Ah, il va me brûler. Ah, il me brûle. Bon, ça me dérange pas, ça va m'augmenter encore plus le temps, je crois. Ah non, pas de kick. Non, il m'éloigne, c'est chien. Bon, pas grave, on l'a eu. Voilà, j'ai allumé les quatre plants de cannabis. Allez, on va attaquer. Je sais pas ce que ça fait si on ouvre les quatre plants de cannabis. Bon, là, il est buzzé. Il est sous l'effet de la drogue. Alors, on a gagné. Parfait. On augmente un petit peu de niveau, puis on va s'arrêter là après ce moment palpitant de drogue. Moi, je trouve ça drôle parce que les Cartman et le nouveau, ben nous, on n'a pas d'effet de drogue, mais par contre, Servetsky, bon, on va aller voir Classy, on va le donner ça à Classy la prochaine fois. Donc, on va s'arrêter là. En espérant que ça vous ait plu, on a eu un Servetsky qui voulait se repentir, qui était quand même en désintox. Il dit toujours ça à chaque épisode qu'on le voit. Mais en fait, non. Donc, il est toujours sous l'effet de la drogue. On l'a vu. On a eu un nouveau pouvoir avec Kai. Donc, à chaque fois qu'on va voir un petit truc là-bas, un petit moulin, on peut pas faire ça, on peut faire ça. Voilà. Donc, on peut aller faire le cerf-volant. Puis, c'est ça. La prochaine fois, on va aller apporter la drogue à Classy. Je vais voir que ça va débloquer. Voilà. Pour l'instant, c'est quand même hilarant comme jeu. Bref, puis je sais pas pourquoi ils ont accepté que des jeunes rentrent dans un magasin de drogue, tout simplement. C'est assez bizarre. Bref, en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et restez au courant des prochains lives, actualités, partages, tout ça, tout ça. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode de South Park.
The Fractured Butthole ou l'anal du destin. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et bye tout le monde. Allez, bye bye.